La capitale du Gabon, Libreville, est sous haute sécurité, quadrillée par un imposant dispositif policier depuis la validation vendredi soir par la Cour constitutionnelle de la réélection du président Ali Bongo. Arrivé deuxième, Jean Ping avait déposé un recours visant le score obtenu par Bongo dans son fief familial, la province du Haut-Ogooué. Plus de 95% des voix pour 99% de participation. Jean Ping a immédiatement dénoncé une juridiction partisane et un déni de droit. « Je ne reculerai pas car je suis le président clairement élu des Gabonais », a-t-il déclaré. Ce partisan de Jean Ping décrit ainsi sa déception. On a servi au peuple gabonais une mascarade électorale. Et là, c'est une très, 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 très grande déception totale. Vous-même, vous voyez, même dans toute la ville, c'est le calme, c'est très dangereux. Le président réélu a appelé l'opposition à un dialogue politique, mais il est improbable qu'il soit entendu. Les émeutes qui avaient suivi l'annonce des résultats provisoires le 31 août ont officiellement fait 6 morts.